Souget, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen. Bienvenue à la ferme du Souget pour la restitution du projet Cycle. Ou l'art de réenchanter le monde. Oui, ben, j'allais le dire. Ah. Il y a tant de temps qui passe devant mon nez. Des kilomètres, mètres, 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 qui s'enlacent, s'entrelacent inlassablement. Des kilomètres, mètres, 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 mètres du temps. Des pensées qui s'en mêlent, s'entremêlent, et qui mettent du temps à réaliser, et qui mettent du temps à se concrétiser. Alors je m'appelle Victor Boucon, je suis artiste plasticien. J'ai fait des interventions sur le territoire de Montrevel-en-Bresse et ses alentours sur le thème du vélo pour aborder des thématiques qui a trait à l'écologie comme les low-tech. Je les ai fait travailler sur des maquettes, des plans, de la modification de vélo. Le dernier atelier qu'on a fait c'était de transformer, de tuner des vélos qui était destiné à la casse pour les sensibiliser à la déterritorialisation, comme quoi un objet, même si sa vie est finie entre guillemets, il peut en trouver une nouvelle dans autre chose. On a pris des feuilles de papier, on a pris des feuilles d'art et on a fait des œuvres. On a formé des bonhommes, on y a mis au soleil, après on y a mis dans l'eau et ce qui était à l'ombre c'était blanc et après ce qui était au soleil c'était bleu. Et on est arrivé à cette ferme et on a découvert des vélos formidables. Il y avait un vélo avec des hélices, un vélo ninja avec des shurikens on dirait. Un vélo qui est très stylé à trois places où des petits enfants ont travaillé. Un vélo géant à trois pédaliers et trois selles, un tridème qu'on a appelé l'arpenteuse et qui nous a servi d'outil de médiation pédagogique et avec lequel on a tracté un système d'exposition mobile dépliable sur lequel étaient accrochés des travaux réalisés lors d'autres ateliers. On fait une double balade qui converge vers un même point, la Marpa, à Saint-Julien-sur-Ressous. Il y a départ avec l'arpenteuse depuis Jaya et départ de la mairie de Saint-Trivier. Et en gros, on va se retrouver au milieu pour boire un coup et fêter le retour de l'été. On recommence à vibrer des orteils au plafond. On voulait partir et on est parti avec notre bicyclette. Prends tes jambes à ton cou, tu vas voir, c'est facile. Suffit juste d'appuyer sur la pédale, mettre tes affaires dans un sac et partir. Peut-être une heure. Peut-être une vie. Dès qu'on parle de vélo, en fait, on renvoie chaque personne à un souvenir propre du vélo. Du coup, c'est un outil de médiation autant politique que poétique. Pédaler pour ne pas trop penser, pédaler pour ne pas trop regarder la vie qui parfois paraît trop. Avec notre bicyclette.